Wesh les mecs, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Alex Hunter, les mecs, la série avec ce bon vieux Alex. Alors j'ai pris une décision pour cette série, on va essayer d'être le maximum arrogant, voilà, voir ce que ça donne. Arrêter d'être gentil, de toujours brosser dans le sens du poil tout le monde, tout simplement. Et là je t'arrête tout de suite les mecs, ce que tu vois ici c'est effectivement une boîte de mouchoirs, mais c'est pas parce que tu penses que blablabla, c'est juste parce que je suis enrhumé. Et d'ailleurs tu verras la boîte de mouchoirs diminuer, hein, et tu te doutes bien que je fais pas ça pendant les vidéos quoi. Et donc les mecs, grosse nouvelle à vous annoncer, j'ai envie de vous dire un grand merci les mecs, parce que j'ai reçu une boîte tout droit envoyée par Coca-Cola en partenariat avec EA. C'est une box géniale d'une valeur incommensurable. Donc voilà, je tenais à vous dire un grand merci les mecs. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, vous qui me suivez depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je suis sur YouTube les mecs. Il y en a peut-être certains, ils ont un peu grandi avec moi. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît pour certains, vous voyez. On a évolué ensemble et aujourd'hui, recevoir cette boîte pour le lancement de FIFA 17, ça montre un peu l'aboutissement du travail que j'ai produit sur YouTube. Travail entre guillemets, je sais que tout le monde considère pas ça comme du travail, mais des efforts que j'ai fait pour en arriver là, et vraiment ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, vous avez vu qu'il y avait le jeu FIFA 17, il y avait notamment, si je me trompe pas, la manette qui est juste là, que je peux vous montrer, la manette customisée Coca-Cola tout simplement. Il y avait donc par ailleurs la bouteille de coca avec marqué Djorkaeff. Là vous ne le voyez pas très bien, il n'y a pas la mise au point, mais voilà, avec tagué Djorkaeff, la bouteille de coca officielle. La petite gourde Powerade aussi avec marqué Djorkaeff, tranquillement, voilà, elle fait bien plaisir. Et surtout les mecs, la boîte qui est ultra classieuse, la boîte elle est magnifique, elle est ultra lourde, elle est en bois, en plastique, elle est géniale. C'est un super cadeau, merci à eux, mais surtout les gars, merci à vous. Donc allez, trêve de blabla, on va essayer de faire ce mode Hunter. Cette fois j'ai plus trop coupé, on va essayer de regarder ça tous ensemble en mode let's play les mecs. Donc les gars, c'est parti. Allez, on avait fini les détections comme je vous l'ai dit, on va bien voir ce que ça donne tout de suite. Voir ce que ça peut donner. Tu joues bien aujourd'hui Hunter, ça ne me surprend pas, t'as le football dans le sang petit. Et ouais mon gars, j'ai le football dans le sang. J'essaie de rester concentré, je suis fait pour le foot, merci. On a dit qu'on était un petit peu insolent, donc on va dire je suis fait pour le foot. Allez, comme ça, on montre qu'on est un peu rebelle. La confiance c'est important, mais l'essentiel c'est la régularité, n'oublie pas. T'inquiète pas coach, j'oublie pas poteau. Ok c'est bon, c'est enfin fini, ces petits entraînements, on va bien voir, c'est bien, vous avez bien travaillé, bien bossé à l'entraînement, c'est la base, bla 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 bla. Du discours de coach classique, un coach qui ressemble à la légende Turfu, Sheringham je crois, oui, moi je trouve. Ne baissez pas les bras, continuez à travailler, etc, etc. Peut-être, en tout cas je pense que bon, les 5e, je crois 4e, 2e, 3e, je ne sais plus. Mais je pense que ça devrait le faire, on devrait avoir notre contrat pro. J'espère directement signer Arsenal et pas avoir besoin de repasser par les phases, etc. De recrutement, ça m'énerverait. Salut maman. Shift starts in half an hour. It won't be long, yeah. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure, the exit trials got on top of him. They played well today. Listen, Catherine, about Harold, maybe if I hadn't have been travelling away to games all the time, you know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short, it ruined him. Yeah. Stopped you from following yours, I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You? Right. All right. Yeah. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top joy. You stood out of mine. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Peter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers.
We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. It was around back when your dad was still playing. We should call him. Ok, donc notre premier agent qui vient se renseigner. Moi, les agents qui démarchent comme ça, je suis pas fan, on va pas se mentir. Donc on va les laisser sur le côté pour l'instant. Enfin, je sais pas ce que fera Alex, hein, mais moi, je les laisserai sur le côté. Alors, performance détection, excellent, rang 6ème, c'est pas mal. Je vais faire continuer, je sais pas trop ce que je peux faire d'autre, remarque. Donc allez, c'est parti, avec le nez bouché, mais avec la volonté de voir un mec qui dribble dans sa chambre. Dédicace à Super D-Mix. Oh, c'est l'agent. Agency. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design. Well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Mr. Taylor, good to see you. But you can call me Michael, all right? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Oh, come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time. And it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Ok, les mecs, la décision! La décision! Quel club on va prendre? Oh, je peux tous les prendre. Ok. Donc le mec fait grosse impression, quoi. Tous les clubs le veulent. Alors, titulaire 8,5, remplaçant 7,5. Moi, je voulais à l'Arsenal, vous voyez. Mais bon, là, vous voyez qu'au niveau salaire, on est beaucoup plus payé, par exemple, chez Chelsea. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est moins payé dans les petits clubs, tels que, par exemple, Watford. Mais on a quand même un objectif manager beaucoup moins grand. Et je sais pas si on sera fort. West Ham, ça paraît d'être le bon milieu. Mais moi, je vous l'ai dit, les mecs, je veux signer à Arsenal. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va tout faire. Ça se trouve, on sera prêté, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut quand on est titulaire, on est 8,5, c'est compliqué, mais 7,5 en tant que remplaçant, ça peut le faire, sachant qu'on commence à 6 les mecs. Donc comme je vous l'ai dit les mecs, c'est Arsenal avec nous. On est un Gunners ou on l'est pas, c'est parti les mecs. J'ai le nez bouché, c'est horrible. En tout cas, en espérant que Arsène, les mecs, qui nous fasse jouer quand même. I'll get the cogs turning my end and finalize the paperwork. You deserve this, Alex. Proudest day of my life. You signing me my old club. Time to remind the supporters what a hunter can do. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way! Alex, that's just brilliant! Gareth signe dans le même club, les mecs. C'est quand même un truc de baiser. Bon, allez, continuez. On va à Londres. Pourquoi? Parce qu'on va dans notre club, c'est normal, on est recruté. C'est parti. J'ai débloqué une récompense fut. Pack de joueurs de près. Ok. Je m'en fous. Je veux jouer au mode Hunter, là. Tu vois, je suis en mode entraînement. Mais c'est de la merde. Oh non. On va se taper les entraînements. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On reste serein. On est content. Tout le monde est content. C'est la maison. Oh, il y a mes zuts. Ouais, je lâche un petit sourire ou quoi. T'es tranquille.
isn't it? Did he just nod at me? Me more like. Whatever. Hunter, Walker. In you go. Gaffer? Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager, for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. We'll give this club everything we've got, Mr. Butler. Everything and some more. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want another one direction you need to go, and it's that way, to the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. Ok, donc Monsieur Butler, il est sévère sur l'horaire, mais c'est pas grave les mecs, on va tout donner à l'entraînement, peut-être pour gratter des petites minutes, je sais pas si on a les matchs de pré-saison, mais dans les pré-saisons, on peut essayer de faire une Jean-Kevin Augustin, tu vois, marquer quelques petits buts, ça pourrait faire plaisir. We got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off, one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? May the best man win. No problem. Men against boys. Come on, man, let's do this. Ok, petit challenge, les grands contre les petits, je sais pas ce que c'est, on va voir les mecs. Allez, c'est parti. Je pense que ça va être une petite opposition, 2 contre 2, petite cage, le but c'est de marquer. Ok, donc là on voit directement que les vrais joueurs titulaires, ils ont un chasuble orange. Les attributs d'Alex Hunter progressent en fonction de votre style de jeu et de vos performances à l'entraînement. L'entraînement vous permet également de cibler certains attributs en particulier en faisant progresser. Ok, on s'en doute, Moret. Donc comme tu vois, les joueurs pas titulaires, ils ont un chasuble orange. Non, pas du tout. Les réservistes chasuble vert. Il y a Cassorla en réserviste Petr Cech. Ah oui, c'est sévère. Et c'est qui les titulaires? On les connaît même pas. Regarde, Sanchez, me dis pas qu'il est remplaçant. Giroud aussi, Ozil aussi. Bizarre. Alors, aujourd'hui, c'est séance de défense et de dribble rapide. J'espère quand même faire l'entraînement de dribble rapide. Pas du tout. On fait la défense. Je comprends pas bien à quoi ça sert pour un attaquant. Déjà, premier problème du jeu selon moi, mais c'est parti, c'est pas grave. Hein. Écoute, hein, on va aller sur Gallo. Voilà, on le tacle tranquillement, on récupère. Bim, encore une fois taclé, c'est récupéré. Bim, oh tranquille. Sincèrement, il est tranquille, le petit jeu technique. Il essaie même pas de me crocheter. Bon, je dis ça, je rate, mais... Encore s'il essaierait de me crocheter, les mecs, je comprendrais, mais là, il est absolument pas ici en train de me crocheter. Il est juste là à courir tout droit, quoi. T'as juste à anticiper là. Ouais, bien sûr, ce que je ne fais pas. Bravo. Bravo, Djorkaeff. Mais voilà, c'est plutôt calme. Plutôt calme, au calme. Voilà. Excellent. On va continuer. On va en avoir un deuxième. Dribble rapide. Je l'ai déjà fait en plus. Je trouve ça un peu chiant. J'espère qu'on n'aura pas trop souvent ce genre de petits jeux techniques. Parce que bon, on les connaît déjà, les jeux techniques. Surtout qu'ils changent pas de FIFA en FIFA, quoi. Faut aller plus vite que Gallo. Donc c'est parti. Bim. Bim. Bim, 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 bim. C'est compliqué. Faut pas se faire attraper. Allez, on passe entre les poteaux. Entre les poteaux. Oh non, je suis trop con. Je me suis niqué, les mecs. Je me suis niqué. Allez, c'est parti. Attends. On va peut-être recommencer, je pense. Premier poteau. Raté. Ok, on va réessayer, les mecs. Hein. On va réessayer cordialement. Bim. On accélère. On prend court, là. On prend court. C'est toujours important de prendre court. Bim. Bim. Là, normalement, c'est facile, on passe entre les petits poteaux. Hop là, oui. On est sorti. On s'est pris à moins 500. Mais c'est pas grave.
Allez, on tue pas trop. On peut pas. Faut marquer le but à la fin. Faut marquer. Allez, on va pas le refaire. On n'est pas des gens qui refont les trucs ou quoi. Le mieux, c'est de le faire la première ou la deuxième fois. Là, je découvrais, je l'ai fait deux fois. Mais on sera pas tout le temps là à recommencer, recommencer, recommencer. Donc, avec Garrett, on est toujours dans le mauvais camp, hein, le camp de gauche. Nous, on va être dans le camp central, à ce que j'ai compris. Donc voilà, A et B, c'est quand même pas trop dégueu. On a plus 1 en force. J'en ai rien à faire, moi j'ai pas envie. On est toujours remplaçant, mais pas titulaire. Mais visiblement, il y a beaucoup de remplaçants qui ont l'air d'être titulaires. Donc on va bien voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est un bon premier entraînement, on peut le dire. J'espère que c'est pas fini, quoi. Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro here. Ah, laisse tomber. What? Yeah. And remember, you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially if you want to be on the pre-season tour. Now hit the shower. La douche avec Monsieur Butler. Allez, mec. Bon. Entraînement sympathique, j'espère qu'on n'en aura pas genre 4, 5, 6 à faire entre chaque match, parce que là, bon, j'en ai déjà un peu marre. J'espère qu'on va passer directement à un match, un vrai, putain les mecs. On va bien voir. Continuer, valeur de transfert, je suis un joueur arrogant. C'est du mytho, je suis vachement genre, je suis tigeant de ouf. Ok, donc là déjà, on commence à avoir un menu un peu plus étayé. J'espère qu'on va pas retourner à l'entraînement quelques jours plus tard, tant mieux. Never ring if you keep staring at him. On peut dire ce qu'on veut, on a une daronne tigeant quand même. Any offers? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mom. Yeah, I'll be over tours. Ils sont sérieux, ils me prennent pas. See? Watch Bob. Hey. Hi, Mr. Butler. Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Thanks. Well? America! Yes! America, this is not the game. Mama, thank you, never let you go. America, never stop again. Mama, thank you, never let you go. Me? You. You sure that's how it works? I don't know, maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. What? PTDR. Boys, what do you do with all your frequent flyer miles? What? I thought you had to push him back. It's what we did when we went to Mallorca with Mum and Dad. What about 8, bruv? Reckon the gaffer will pick us at the start of the season if we score some goals on this tour. Oh, mate. Put the first names on the team sheet. Straight to the top with them, huh? Is that how you work it? Press a button, no fair. Holy...
ok, scène plutôt inutile de l'avion. Voilà, c'est ce que je reproche pour l'instant à ce mode de jeu, c'est qu'il y a beaucoup de cinématiques bah, qui ne servent à rien, je leur en veux pas, mais j'ai un point de compétence. Ah, attendez, on va voir ça. Mais beaucoup de cinématiques un peu inutiles, voilà, celle-là n'était pas ultra utile, les mecs. Vitesse. Paf, paf. Les attributs de rapidité déterminent la vitesse de pointe, on va prendre ça. Je ne peux pas. Ok. Ok, j'ai pris ça, c'est cool. Allez, PSG Arsenal, les mecs. Est-ce qu'on va jouer? Je l'espère, je ne sais pas, voyons voir. Ok, le vestiaire est plutôt vide, plutôt moche. Il y a des serviettes, un petit sac. Ok, on va contrôler Hunter. De toute façon, il y a Willock qui joue. Il a mis l'équipe, l'équipe bis. Donc, on va peut-être rentrer, tout simplement. En espérant que Hunter fasse la différence. Je vois que Garrett, il a tweeté. Le coach dit qu'il fait confiance à la jeunesse. Ouais, ok, c'est cool. De toute façon, avec Arsène Wenger, on n'a pas trop de problèmes à se poser, les mecs. Ils devraient faire jouer la jeunesse, de toute façon. Allez, c'est parti, match face à Arsenal, tout simplement. La cinématique, Hunter qui entre sur le terrain en remplaçant. Ouais, en remplaçant. Ouais. Avec Olivier Giroud, Alexis Sanchez. Oh, je suis grave content, regarde tes mains, il rentre. Oh, il est content. Ça se voit, il est content, il y a Garrett aussi. Excusez-moi. Voilà, voilà. On va voir ce que ça donne, allez. Oh non, je vais rentrer. Oh, Willock, il est fatigué. Oh, l'arbitre, il a un crâne chauve. Non, en fait, c'est le début du match, autant pour moi. Oh là, ils font trop style, ça va trop vite et tout. Et t'inquiète, quand je rentre, j'ai marqué poteau. Allez, 1-0, là, le petit Willock, il marque. C'est mon concurrent, donc là, je suis un peu vert, tu vois. Je suis content sans trop l'être. Il y a Arsène Zer là, tu vois. Je suis pas ouf. Je suis pas ouf. Oh oui. Et il dit, c'est à moi? C'est moi? Ah non, c'est nous deux. Bon, moi je vais pas vous mentir, Walker. Je suis pas un grand fan de Walker. Hein. Surtout que dans la démo, il nous a quand même mis un sale vent. Mais bon, écoutez, je vais rentrer. Giroud, là, je rentre. Je vais rentrer. Impressionner le boss 8, atteindre notre. Ah ouais, quand même, marquer un but. Et remporter le match. Ah oui, donc Arsène, lui, il s'en bat les reins, quoi. On n'est pas sur de la petite ambition, quoi. Faut que je marque un but. Genre, première titularisation égale but. Allez. Raté. Déjà, premier échec. Allez, suppresse. Oui, c'est récupéré par Alex. Ouf. Oh oui, je suis passé. Hunter! Oh putain, il a un pied gauche dégueulasse. Alors que pourtant je suis gaucher, hein, je me suis mis gaucher comme dans la vraie vie, mais il a un vieux pied gauche quand même les mecs. Oh les mecs, fin du match. Vieux match, tout dégueulasse les mecs, je vous le dis. J'ai eu aucune action, voilà j'ai eu celle-là, c'est tout, vous l'avez vu, mais sinon bah qu'est-ce que tu veux. À un moment, beaucoup de classe dans tes passes en profondeur, c'est impressionnant. Mais jouer en attaque, ça se résume pas à marquer des buts, il faut savoir garder le ballon dans les 30 derniers mètres. C'était pas possible de valider les 3 objectifs du coach, on va pas se mentir. On a un prochain match contre Dortmund, donc on devrait le gagner, j'espère. Mais c'est pas l'important. Mais l'important, c'est vrai, malgré que le football soit un sport collectif, c'est d'avoir un sport individuel. Avec Walker, on a fait une mauvaise prestation. On n'a pas fait non plus le début d'un truc génial. On y est arrivé. J'y crois pas non plus. On y est arrivé. Là, on va la jouer un peu entre les deux. J'ai pas envie de dire non plus qu'on va devenir le dernier des cons, mais voilà. Tout simplement en espérant que ça se passe mieux pour les matchs prochains, notamment Dortmund, parce que si on résume pas trop les ambitions du coach, ça risque d'être compliqué. J'ai 2 points de compétence, on va aller les mettre. Hop là, 1 en vitesse et ensuite 1 en tir, parce que c'est vrai qu'en tir c'est vachement... En tir c'est quand même vachement handicapant, vous avez vu que j'ai tiré comme un sourd. En deuxième mi-temps dès mon entrée, c'était un peu compliqué les mecs. Donc on va essayer de faire ça bien. Là on est dans la chambre d'hôtel, je suppose que c'est ma chambre. Je vois pas pourquoi il y a une chambre de 4 places plus un canapé. Mais genre on peut dormir à 5 alors qu'il est tout seul. Je ne sais pas. En tout cas, on va jouer le match face à Dortmund les mecs. C'est parti, on incarne Hunter comme d'habitude. Oh là là. Oh Marco. Excuse me. Un problème. Il m'a dit mon ami, genre je suis match, Alexander. Il connaît mon prénom. Il connaît mon prénom. Comment il fait?
Vraie question. Non, ça montre qu'il s'intéresse, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, bon, c'est un jeu, quoi. T'sais. Voilà. On va pas se mentir, c'est pas non plus The Vérité, quoi. Allez, oh, je suis titulaire avec, avec Walker. Allez, là par contre, faut marquer. Je sais pas c'est quoi les ambitions du coach ou quoi, mais ce qui est sûr, c'est que là, faut marquer. Là, c'est la chance que le coach nous donne pour marquer, on va dire, cette, cette saison de notre empreinte. Faudra marquer ce soir, c'est obligé. Pareil pour Garrett, ce serait bien que Garrett, en tant que numéro 10, qui nous dégage deux petites passes décisives, ça ferait plaisir, voilà, pour lui. Et moi, marquer un petit but et peut-être faire une passe D, ce serait cool. Donc voilà pour notre premier match et on engage, c'est parti. Oh Hunter. Putain, il m'a dit de passer le ballon, j'avoue, je suis perso. J'avoue, je suis perso, quand j'ai le ballon, va falloir changer cette mauvaise habitude, quoi, les mecs. Hunter, oh non, je suis hors jeu. Ça se joue à des millimètres près, les mecs. C'est pas possible, c'est pas possible du tout. Oh non, je sors, il est sérieux. Oh non, j'ai pas pu marquer, je suis grave deg, le coach il va être deg, j'ai fait un vieux match de mort. Pff, oh non, ça c'est le seum. Là c'est le maxi seum parce que là je suis comme un con. Il me check même pas une petite tape dans la main, faut arrêter un moment déjà, on a aucune relation avec le coach. Peut-être pour ça que les Anglais sont jamais plus loin, ouais, simuler la fin de match hein, forcément. Bah oui, grosse déception. Grosse déception, en plus c'est le Real de Madrid le prochain match. Et il gagne 2-0. Quand je suis pas là. C'est chaud, note du match 5,6, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, on gagne pas d'un signe, on gagne que dalle les mecs. On va continuer et on va essayer d'oublier ce match là parce que c'est compliqué. Ouais, je m'en vais, match contre le Real. En espérant un bon résultat, j'aimerais bien un but. Là je vais rentrer. Parce que c'est Giroud qui est titulaire, ils vont sûrement me faire rentrer, hein, le jeu est plutôt bien fait. Ils vont me faire rentrer à la 60e à peu près. En espérant... Ouais, t'as vu, il y a des rumeurs de transfert. Arsenal cherchait à faire un gros transfert. Je ne leur suffis pas. J'en vaux 5 comme toi. Ouais, voilà. Donc ça parle de moi, ils sont à la recherche d'un grand nom, donc forcément ils vont me prêter. Si je dois partir en prêt, moi je partirai bien en prêt, je pense, pour acquérir du temps de jeu et marquer des buts. Parce que c'est vrai que c'est pour être la doublure d'Olivier Giroud toute la saison, ça va être compliqué. En tout cas, moi, je pense que j'ai les capacités pour détrôner Giroud. Après, il faut juste me laisser le temps de prendre mes petites marques dans le jeu, tu vois, tranquillement. Quoi. Oh, les mecs, Giroud, il est blessé. J'ai juré, Giroud, il est blessé. On va rentrer. Allez, c'est parti. Bah oui, on s'y attendait pas. Arsène, tu t'y attendais pas. Tu vas être obligé de faire rentrer le petit Alex Hunter, le nouveau Thierry Henry. Atteint de match cible 7. Réussir au moins 10 passes, remporter le match. Ok, là vous voyez, réussir 10 passes, atteindre une note de 7. Ça c'est des objectifs pour un rookie, tu vois. C'est pas des objectifs genre marquer 3 buts, avoir 9 de notes, lol. Ok, je viens de provoquer une petite faute sympa. Va y avoir un bon vieux coup franc. Philippe Lainhardt, qu'on ne connaît pas d'ailleurs hein. On va essayer de couper premier poteau à la Cavani. Ok, pas du tout, merci. Ah oui, Alex Hunter, oh non, le crochet, non, je n'y arrive pas, c'est compliqué, l'angle de la caméra, il est bizarre, je sais pas si vous y faites, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal. Oh oui, la récupération d'Alex Hunter, donne tout gamin, frappe, non, au-dessus, non, mais oui, persévère, mais tu peux me dire de persévérer, ça fait 3 ans, je persévère. Final pre-season game. You must be disappointed to have not come away with a victory. Sí, bueno, queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande y queda mucho todavía. Do you think the injury had a big impact on the game? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar. La famille James, ha hecho un buen partido. Donc voilà les mecs, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Joe. Bientôt pour l'épisode 3. S'il y a beaucoup de likes, c'était Joe. Bye.